Jean Castex, rare apparition de sa femme élégante, au bord des larmes à ses côtés. Si l'on connaît bien son mari, dont l'accent du Sud chantant avait marqué les Français lors des annonces au sujet de la pandémie notamment. Il est très rare d'apercevoir en public Sandra, la femme de Jean Castex, mariée depuis de nombreuses années. Le couple a réussi, tant bien que mal, à se protéger de la médiatisation durant les 2 ans que le quinquagénaire a passé à Matignon. Mais ce jeudi, alors que celui-ci est désormais libéré de cette lourde charge de Premier ministre, la très distinguée Sandra a fait une rare apparition devant les photographes pour une grande occasion, la Légion d'honneur. Accordée à son mari, récompensée des services rendus à l'État pendant la pandémie. L'ancien chef du gouvernement a été épinglé par Emmanuel Macron, qui semblait ravi de le retrouver. Style diva place holdée à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdée à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Et à leur côté, un bouquet de fleurs dans les bras, Sandra eut toutes les peines du monde à retenir ses larmes. Très émue de voir son mari ainsi honoré, la maman de 4 enfants a posé à ses côtés. Comme on peut le voir sur les images postées par l'ex-ministre Roselyne Bachelot. Invitée, celle-ci a salué une cérémonie familiale, aux côtés d'Emmanuel et Brigitte Macron, qui ont rendu un hommage émouvant à l'homme humble qu'est l'ancien maire de 57 ans. Aux côtés de sa femme, les 4 filles de l'ancien chef du gouvernement étaient présentes selon l'hebdomadaire Le Point. Les aînés, notamment, Lise et Pauline, qui étudient à Strasbourg ou dans le sud de la France, ont apparemment réussi à se libérer de leurs obligations au vu de l'importance de la journée. Et pour les 2 plus petites, Eugénie et Léa, c'était une bonne occasion de manquer l'école. Style diva place holdée à 1 et à 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdée à 1 et à 2, 8 620px, minimum et 350px, style. En tout cas, pas question pour l'homme politique, devenu PDG de la RATP il y a quelques jours, de médiatiser son clan. Depuis sa prise de fonction, il a en effet toujours refusé que sa progéniture apparaisse dans les journaux ou à la télévision. Une manière pour lui de préserver sa vie privée et de garder sa famille loin de Paris, où il exerce désormais à plein temps. Parmi les autres invités de cette cérémonie se trouvaient d'anciens collaborateurs à Matignon, ainsi qu'une 40aine d'amis de l'ancien élu de Prades, plusieurs ministres qui ont collaboré avec lui par le passé, ont également passé une tête, dont Julien de Normandie ou Jacqueline Gourault. L'ancien président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand était également là, tout comme le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.